こんにちは。C'est Machiko de blog Apprendre le japonais, découvrir le Japon. Défi de 30 jours, vidéo 12. Vidéo 12 です。Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. よろしく。Question de Stéphanie. Est-ce qu'il y a un sens d'écriture des kanji? Partie 2. ステファニーの質問です。漢字には書き順がありますか？今日は続きです。プチトラペル。プラパティユン。レトワレグルドバスプエクリレ漢字。ブプベラホトベドラビデオシスドデフィドトントジュー。漢字の3つの基本的な書き順に関しては、ビデオ6を見てくださいね。Voici quelques règles supplémentaires。こちらには補足的な決まりが書いてあります。Première règle。D'abord l'extérieur。Ensuite l'intérieur。一番目の決まりです。まず外。次に中。Par exemple. D'abord, l'extérieur. Ensuite, l'intérieur. La lune, ce qui. D'abord, l'extérieur. Ensuite, l'intérieur, la viande, niku. D'abord, l'extérieur. Ensuite, l'intérieur, yen, en. Deuxième règle. D'abord, l'extérieur. Ensuite, l'intérieur. À la fin. Fermez le cadre. Mazu, soto. Tsugi ni, naka. Saigo ni, shimeru. Par exemple. D'abord, extérieur. Ensuite, l'intérieur. À la fin, fermez le cadre. Le chiffre 4. Yom, si. D'abord, extérieur. Ensuite, l'intérieur. À la fin, fermez le cadre. Ouest, ni si. Troisième règle. Le point en dernier. Par exemple, le chien, inu. Le point en dernière, la balle, tama. Le point en dernière, le village, mula. Il peut y avoir des exceptions, mais c'est assez rare. 例外もありますが、とても稀です。 Voilà pour aujourd'hui. 今日はここまでです。 Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus d'informations, vous avez tous les liens sur la vidéo. Demain, on va parler de questions de Florian. 明日はフロリオンの質問を紹介します。それではまた明日。アドゥマン。さようなら。